tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, il est actuellement 17h06, oui vous ne rêvez pas. En fait j'ai pas ouvert ce matin parce que ce matin j'étais à la fois en retard et pressée. J'ai pas ouvert ce matin. Ce midi j'ai voulu faire du rap donc forcément j'ai pas eu le temps ce midi non plus. Donc là je vous prends avec mes cheveux blancs, c'est une catastrophe, hein. C'est un peu horrible, bref. Donc là, je suis garée devant la maison de santé de la commune où je travaille, puisque j'ai rendez-vous avec la diététicienne, où clairement, je m'en vais lui dire que j'ai grave déconné ces dernières semaines. Parce que depuis que mes parents sont venus, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. J'ai mangé n'importe quoi quand mes parents étaient là, j'ai pas réussi à me limiter, et puis depuis qu'ils sont partis, j'arrive pas à me limiter. Je bois une canette de coca tous les jours. J'ai des bonbons à la maison, ça m'arrive d'en manger. Enfin, c'est parce que c'est du chocolat ou des carambars, et ça, clairement, c'est un peu mes péchés mignons. Mais j'en mange pas tous les jours, mais j'en mange. Enfin, là, des carambars, ça fait quand même presque une semaine que j'en ai pas mangé, mais voilà, c'est des tentations auxquelles j'arrive pas à résister, en fait. Donc, je sais pas comment elle va prendre ça. En fait, à chaque fois que je lui dis un truc, elle m'explique comment manger en pleine conscience, en fait. Sauf que même quand je mange en pleine conscience, j'arrive quand même pas à me retenir. Voilà. Donc, puisqu'elle me disait qu'en fait, si on mange en pleine conscience, on a moins envie, on va en manger un par exemple, et puis on n'aura pas envie pas besoin d'un deuxième. Moi, même en mangeant en pleine conscience, j'ai quand même besoin du deuxième. Enfin, j'ai pas besoin, mais j'ai envie du deuxième. Donc, bref, du coup, je sais pas trop ce qu'elle va me dire, mais je pense que. Il va falloir que je me ressaisisse clairement parce que c'est pas possible quoi. J'ai repris 1 kg quand mes parents étaient là et clairement j'arrive pas à le reperdre du coup puisque je me limite pas, je fais un peu n'importe quoi. Après je me dis voilà, je suis ronde, c'est tout, hein. Je me mets pas la pression pour le poids que je fais. Je me la mettais avant et maintenant je m'en fous en fait. Je sais pas si c'est le fait d'être célibataire, mais je me dis que de toute façon j'ai à plaire qu'à moi en fait. J'ai pas de mec. Enfin, ceci dit, c'est pas comme ça que je vais en trouver un non plus, hein, vous me direz. Mais j'en cherche pas, donc il n'y a pas de problème. Après, je me dis, si je me laisse aller pendant un temps, ça va être dur après de me reprendre en main. Donc, l'idéal, ce serait que je fasse du sport, mais je trouve pas le temps, en fait, de faire du sport. Alors, j'ai pas non plus hyper de motivation, mais je sais pas si ça se dit hyper de motivation, je crois pas. J'ai pas beaucoup de motivation non plus, mais je pense que si j'avais du temps, même sans motivation, je ferais du sport parce que je sais que c'est bon pour moi et que clairement elle m'avait expliqué que je pourrais un peu plus manger ce que je voulais si j'avais une activité sportive à côté quoi. Et c'est pas le cas. Donc c'est pas grave. On verra bien. Du coup, j'ai appelé les garçons pour les prévenir, parce que j'avais complètement oublié de leur dire que j'avais rendez-vous. Et puis, je suis contente, parce que j'ai demandé à Com et il m'a dit que tout s'était très bien passé avec Adam. Alors, je vais vous donner mon astuce. En fait, hier, quand j'ai eu Com au téléphone qui pleurait parce qu'il en avait marre que son frère soit aussi dur avec lui. Enfin, je dis hier, c'était pas hier, c'était mardi. Et que en plus, hier, j'ai eu le message de la nounou, je me suis dit, c'est mort, ça peut pas durer. Donc, je me suis dit, eh ben tant pis, j'avais prévu de lui faire plaisir en fait à Adam, parce que c'est un enfant qui a besoin en fait qu'on le rassure, qu'on lui prouve qu'on l'aime, qu'on voilà. Et je m'étais dit, vu qu'il fait des efforts au niveau de l'école, a bien travaillé, il fait ses leçons correctement et tout, franchement au niveau de l'école, il y a plus trop de problèmes, il faudrait que j'en parle avec la maîtresse pour être sûre, mais il fait ses devoirs sans aucun souci à la maison maintenant. Et du coup, je m'étais dit je le récompenserai. Donc du coup, j'avais prévu de lui acheter un iPad pour son anniversaire. Et hier, du coup, je lui ai dit, pour qu'il comprenne bien l'impact de ses actes, je lui ai dit,
Je lui ai dit, bah tu vois, c'est fort dommage que tu te comportes comme ça parce que j'avais prévu de t'offrir un iPad pour ton anniversaire, mais vu ton comportement, c'est hors de question que je te l'achète. Et je lui dis, même si tu fais des efforts dans les prochains jours, ça ne changera rien. Donc il n'aura pas d'iPad à son anniversaire. Donc le vélo pour Noël, ça reste encore une clause suspensive, hein. J'attends de voir le comportement et j'aviserai en fonction. Et du coup, bah je sais pas ce que je vais lui prendre à son anniversaire, mais je vais y réfléchir. Mais en tout cas, ouais, je suis hyper déçue, quoi. Donc bon, on verra bien si on trouve. En fait, je pense que il profite un petit peu du fait que on n'est pas encore vraiment identifié ses troubles du comportement et tout ça. Je pense que du coup, il en joue un peu et il en profite. Et ça, je suis pas d'accord et j'accepterai pas que ce soit comme ça. Donc là, je leur ai dit aux enfants que ce soir, on allait avoir une conversation tous ensemble parce que je trouve que dans la globalité, le comportement n'est pas correct envers moi. Donc je vais en parler avec tout le monde et puis bah on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas. Il faut qu'on en parle, quoi, déjà. Mais bon, il est 17h13, il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous à 15, et ben, je vous reprendrai à la maison, parce que je veux pas trop tarder à rentrer, mais je vous raconterai un petit peu comment s'est passé ben, mon rendez-vous. Alors, je m'équipe, et c'est parti. Bon, ben, je vous reprends, il est 21h20. Finalement, j'ai pas eu le temps de vous reprendre après mon rendez-vous chez la diététicienne, tout simplement parce que, en vérité, on a revu un petit peu les aliments, pardon, que je consommais, et bah clairement, ça pouvait vraiment être mieux. Donc, bah, du coup, je suis passée comme je suis juste, j'étais juste à côté d'un magasin Super U, du coup, puisque en fait, la diététicienne, elle se trouve à côté de mon travail, et en fait, entre mon travail et la diététicienne, il y a un Super U. Du coup, bah, je suis retournée faire des courses plus adaptées du coup à mes besoins personnels et surtout à ma pause déjeuner. Voilà, parce que bah, clairement depuis quelque temps, ma pause déjeuner c'est un peu mon gouffre hein, puisque comme je veux faire des heures sup, enfin, je sais pas, enfin si, ouais, c'est des heures sup que je fais pour récupérer en fait des heures que j'ai prises sans solde. Bah forcément, j'essaye de manger vite et pour manger vite, bah, je mange un sandwich et le sandwich c'est pas du tout ce qu'il me faut quoi. Donc on en a discuté et elle m'a donné des petites astuces pour manger des sandwichs, mais des sandwichs sains. Donc si vous voulez plus d'infos, il n'y a pas de problème, hein, je pourrais en parler, je pourrais même peut-être même faire une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, elle m'a donné certains aliments qu'elle me conseille de manger. Elle m'a bien dit surtout de ne pas me priver. Elle m'a dit, si vous avez envie de chocolat, vous devez manger du chocolat. Donc, ça me rassure parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'entendre ça, en fait, parce que, bah, je suis gourmande, quoi. J'arrête pas de le dire et j'ai du mal à me limiter. Donc, bah, le fait de savoir que j'ai pas besoin de me limiter, j'avoue que, ouais. C'est plutôt chouette. Donc, bah, c'est très bien. Ça me va bien. Donc, enfin, on a ensemble réétudié les aliments que je consomme. Elle m'a donné une petite fiche avec des idées de petit déjeuner. Donc, elle m'a dit, petit déjeuner, il faut que ce soit consistant parce que ça doit me tenir jusqu'à midi. Du coup, le matin, elle m'a conseillé essentiellement des fruits. Des flocons d'avoine. Donc j'ai acheté des flocons d'avoine parce qu'elle m'a préparé des petites recettes genre du porridge qu'est-ce que c'était l'autre? Ah oui, elle m'a proposé aussi le bowl cake. Donc en fait c'est un petit gâteau qu'on cuit au micro-ondes en 3 minutes. C'est un peu comme le mug cake mais en un peu plus recherché, plus équilibré, plus sain. Donc je suis très contente de ce rendez-vous. Là, c'était la dernière fois que je payais, puisque en fait, la séance, techniquement, elle est à 40 euros. C'est 40 euros le rendez-vous. Mais elle propose un forfait de 6 séances à 180 euros. Et bah du coup, moi j'ai proposé de prendre le forfait de 6 séances, mais avec facilité de paiement. Et elle m'a dit, pas de problème, vous pouvez payer en 3 fois. Donc en fait, au lieu de payer 3 fois 40 euros jusqu'ici, j'ai payé 3 fois 60 euros. Et après, j'aurai 3 rendez-vous gratuits. Voilà, enfin gratuits. Ils sont pas gratuits, je les aurais payés. Mais ça veut dire que
ça me fait des rendez-vous à 30 euros du coup. Donc c'est plus intéressant. Et comme je savais qu'un seul rendez-vous ne suffirait pas, j'ai pris des rendez-vous, j'en ai pris plusieurs et j'espère que ça va m'aider. J'ai quand même déjà pas mal avancé dans mon cheminement. Je mange plus lentement. Donc, par rapport à ma digestion, en fait, c'est quand même déjà mieux qu'avant. Donc, je suis contente. Elle m'a dit que je pouvais continuer à manger des Kinder Country. Elle m'a dit qu'en plus, ceux-là, ils ont des céréales, donc c'est les meilleurs. Voilà, elle m'a dit qu'il faut vraiment manger en pleine conscience parce que vous pouvez pas vous en enfiler deux ou trois d'affilée, quoi. Donc, voilà, il faut aussi que j'essaye de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Le problème, c'est que j'ai commencé à 8h, je termine à 17h. Pour joindre le secrétariat, c'est très compliqué. Donc, je vais essayer, on verra bien. Adam, comportement exemplaire aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que l'avoir privé d'iPad, malheureusement, et ça me fait tellement de peine parce que je me réjouissais de lui faire ce cadeau. Je savais à quel point ça allait lui faire plaisir, en fait. Adam, il attend que ça, d'avoir une tablette. Et comme la tablette que j'ai achetée à Courbe, c'était de la grosse merde, enfin, désolée pour le terme, mais je suis vraiment tellement déçue, en fait, que je me suis dit, bah, ok, quitte à acheter une tablette, autant prendre quelque chose de fiable que je connais. Alors, évidemment, j'aurais pas pris du neuf, hein, encore une fois. Je donne priorité au reconditionné, déjà pour le prix, et puis parce que c'est des articles de seconde main et je prône la seconde main. Bon, les amis, je vous reprends, on est vendredi, 7h32. Du coup, j'ai pas clôturé hier parce que, en fait, il était très tard et du coup, j'avais pas beaucoup vlogué. Je me suis dit que j'allais poursuivre aujourd'hui, en fait, puisque la journée d'aujourd'hui va pas être très chargée non plus. Donc, je me suis dit autant grouper les deux et au moins, ce sera plus, il y aura plus de contenu. Si tu veux. Là, actuellement, il est 7h32. Et je vais partir, bien sûr. Les enfants sont en train de prendre leur petit déj. Non, une, ça suffira, parce que déjà, je suis même pas sûre que tu la manges. Non, je m'en vais, là, j'ai fini. Ah bah, alors moi, j'en veux pas. Ok, si tu veux, on en prendra une au goûter. Tu iras changer ta veste. Tu sais ce que concerne, les enfants, en oxygène? Non. 142 sur 80. Ok. Non, laisse le porte-bébé, Marceau. Qu'est-ce que t'as dit? Le bébé, le porte-bébé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a manqué le porte-bébé. Il m'a manqué le porte-bébé. Tu sais que j'ai pas besoin de porte-bébé pour te porter. Mais t'as beaucoup de force. T'es une crêpe. Il a beaucoup de force. Il a mis sa robe de chambre par-dessus ses vêtements parce qu'il avait pas très chaud. Et il kiffe sa robe de chambre parce qu'elle est toute douce. Oui. Ah, il va prendre ton petit déjeuner. Bref, pour l'instant, j'y vais parce que sinon, je vais être en retard. Bien. Je vous reprends avec une tête un peu de folle, hein. Je suis coiffée n'importe comment. Déjà, avec mes racines, là, déjà, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Ben, je suis rentrée, bien sûr, depuis longtemps. J'ai terminé à 17h. À 17h03, j'étais dans ma voiture. J'étais prête à rentrer. J'avais hâte. Honnêtement, aujourd'hui, j'avais hâte de rentrer à la maison. Déjà parce que j'étais fatiguée. Et puis, parce que aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. C'est le début du week-end et que j'avais hâte, en fait. J'avais grandement hâte de passer le week-end avec mes enfants. Donc, je suis très contente d'être rentrée. Alors, quand je dis passer le week-end avec mes enfants, tout est relatif, hein. Je suis toute seule dans le canapé. Non, je leur ai accordé un petit dessin animé là-haut. Donc, ils sont partis regarder un petit dessin animé, en fait, parce que moi, je voulais faire du ménage. Enfin, du ménage, façon de parler, mais si vous voulez, c'est un petit peu grandement le bordel, quoi. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, quand j'aurai fini de ranger ça, je vais les appeler, on va manger. Parce que là, il est 6h30 et que, effectivement, après, il va être l'heure de manger.
Donc ben là, ce soir, je me pose en fait. Là, j'étais devant la télé et je me suis octroyé en fait deux épisodes de Famille XXL. Je ne sais pas si vous suivez cette série qui passe sur TF1 tous les soirs. Et en fait, ça fait plusieurs jours que j'ai pas regardé parce que ça fait plusieurs jours que je cours partout et que j'ai un petit peu de mal. Et là, en fait, j'étais un peu fatiguée, je dois dire. Donc je me suis dit, allez, je me pose et je regarde ça. Donc bon, là en même temps, c'est un moment que je, enfin ça fait un moment, ça fait deux épisodes que je regarde. Enfin là, c'est la moitié du deuxième et je vais ranger en même temps puisque la télé est dans le salon, je peux faire les deux en même temps. Du coup, aujourd'hui j'ai passé une très bonne journée. J'ai été très productive au boulot, je suis ravie. Ma chef est venue ce matin en disant bon alors. On doit les rendre les deux modèles. On doit les rendre le 4 décembre. Tout doit être parti le 4 décembre. Donc, sur le coup, on s'est dit, ok, ça nous laisse tout pile un mois. Et là, elle nous sort quoi? Qu'on en a 268 à faire du deuxième. Là, en fait, celui qu'on fait en ce moment, on a 228 exemplaires à faire. On en a déjà une bonne partie. Enfin, je crois que la majorité, elle est déjà faite. Là maintenant on est plutôt dans le final, hein, c'est-à-dire la pose de pression, le contrôle, leur passage et puis la préparation, hein, c'est-à-dire le fait de les emballer, de mettre les petites cartonnettes, les petits machins, enfin, le finaliser quoi et l'envoyer. Et en fait les filles elles ont déjà commencé la production du deuxième modèle. Donc c'est très bien, ça avance très vite et ma chef me dit si on veut que tout parte le 4 décembre, il faut qu'on en sorte 26 par jour. Donc sur le coup, je fais « Ouais, ok, on va voir. » Et elle me dit « Non, sérieusement, il faut qu'on en sorte 26 par jour. » Je dis « Ok, je vais t'en sortir 26. » Et du coup, elle part et elle vient me voir ce midi et elle me dit « Alors, t'en as fait combien ce matin ?»« J'en ai fait 25. » Et là, elle me dit « Oh, on est large alors !» Je dis « Ah, à mon niveau, à moi, oui, on est large. » Je lui dis maintenant, c'est plus dans la confection en fait. En sortir 26 par jour, c'est chaud. Enfin, tout dépend de la manip qu'on a à faire. Mais enfin, il y a des filles, elles font plusieurs opérations sur la même pièce. Honnêtement, ça prend du temps et elles peuvent pas en sortir 26. Il y a une de mes collègues qui est une ancienne, hein, donc qui est très compétente dans son métier. Hein, par rapport à l'intervention qu'elle fait sur le modèle, elle en sort que 17. À la journée. Donc je pense qu'on va être obligé de diviser sa tâche en deux et de pour augmenter la productivité parce que sinon ça va pas le faire. Donc bon, moi je pense que c'est jouable mais ça va dépendre si on a trop d'aléas qui viennent nous perturber, on verra bien, mais avec ma chef, on s'est dit on va le faire, c'est jouable. Normalement, il y en a 10 qui devaient partir ce soir, ils sont pas partis. Je ne cherche plus à comprendre. À ce niveau-là, j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai bien travaillé, mais j'avoue que j'étais fatiguée. J'avais hâte de partir. J'avais hâte de retrouver mes enfants parce qu'ils me manquent. Hein. Ça me fait. C'est vrai que je suis contente d'avoir repris un emploi parce que c'est bon de se sentir utile, de pas passer ses journées dans la maison. Enfin, même si maintenant que j'ai mon entreprise, je sais que j'aurais plus vécu la même chose, enfin la situation de la même façon. Mais ça me fait du bien d'être la journée au boulot avec mes collègues, de voir d'autres personnes que mes enfants. Mais c'est vrai qu'il me manque beaucoup quand même. Puis là, le fait de devoir finir à 17h et de pas pouvoir aller les chercher à l'école, c'est dur. C'est vraiment dur parce que ça, aller les chercher à l'école, c'est vraiment mon plaisir en fait. C'est mon plaisir parce que quand je vais les chercher, j'adore les voir. Enfin, Marceau, c'est trop mignon, mais dès qu'il me voit, il fait « Maman !» et il court pour me sauter dans les bras, mais j'adore ça. Tous les parents, à chaque fois, ils le regardent. Ah, il est trop mignon. Ben ouais, non, mais c'est clair. Moi aussi, je le trouve trop mignon. Et puis même les gars, même Côme, je veux dire, il a 10 ans, il est en CM2. Alors lui, rien à faire. Il saute dans les bras de maman, gros bisous, gros câlin, gros machin. Il s'en fout, quoi. Même si ses copains, ils lui disent « Ah, t'es avec ta mère. » Il s'en moque, en fait.
Donc moi vraiment ça me fait plaisir et j'adore ça. Et après tout le trajet on rentre et ils me racontent leur journée et tout ça. Enfin franchement, j'adore quoi. C'est vraiment un plaisir qui m'est arraché ça. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur à vivre en fait. Enfin bon, en attendant, je vais faire du ménage et puis je vais clôturer maintenant parce que comme je dois appeler ma copine Pris à 21h, je sais pas combien de temps on va rester au téléphone et du coup après le temps de faire le montage et tout, peut-être que je ne le ferai le montage que demain matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vloguerai demain du coup puisque je suis avec les enfants. Et je vous le mettrai en ligne dimanche et pour lundi, je vous prépare la vidéo préparation de Noël, puisque cette année Noël elle va être un petit peu différente d'habitude, donc moi je vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, puisque j'ai prévu. Voilà. Du coup, eh bien, je vais vous laisser maintenant parce que j'aurai rien de plus à filmer ce soir. Et puis, je vous retrouverai demain dans un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, laisser un commentaire, ce que vous voulez. Mais en tout cas, à demain. Ciao.